vient de s'éteindre, le réalisateur italien Bernardo Bertolucci. Le cinéaste est décédé aujourd'hui à Rome, à l'âge de 77 ans. Ses films sont considérés par la critique comme étant des œuvres majeures, étudiées dans les écoles de cinéma et utilisées comme référence par les jeunes réalisateurs. Du premier succès, la fresque 1900, en passant par le dernier tango de Paris, jusqu'à la consécration suprême avec le film aux 7 ou 8 Oscars en 1987, le dernier empereur. On doit aussi à Bernardo Bertolucci un long métrage dont quelques scènes ont été tournées en Algérie, à Timimoun, le film en question, Un thé au Sahara avec John Malkovich.